Là, c'est parti, bonjour Luc et bonjour papa et bonjour Pascal. Bon, alors on va juste vérifier que lui il capte bien le l'audio. Tu fermes ta fenêtre. Oh la vache, il faut l'attraper là. J'attrape sur le côté là comme ça. Hop là, voilà, on peut bien fermer. Voilà, il est fermé et verrouillé. Fermé, verrouillé, d'accord. On est 1 plus 2, il n'y a personne devant, les pieds sur les freins. Il veut pas rester où lui hein. Alors tu vois ça, mais là donc on n'y touche plus maintenant. Parce que les cartes elles doivent pas être en hausse pour ça. Ouais. C'est pour te rappeler que c'est pas leur place naturelle. C'est pas leur place. Alors la manette des gaz elle est là-dessus. Là, ce sont les volets, c'est ça? Alors, attends, excuse-moi. Voilà, ça c'est les volets, ouais. Il y a combien de crans là-dessus? Deux. Il y en a deux. Deux crans. D'accord. Donc vous les rentrez. La carte on la lit comment? On la lit comme ça. Ça c'est tout à l'heure. Voilà, ça c'est ici. C'est bon, tout est bien rangé. Ok. Allez. Rions, c'est deux fois que ce bravo Victor. Au parking, on roule pour le point d'attente, piste 18 à Rions. Le frein de parc, il est où là-dessus? Le parc, il est desserré. Desserré. Voilà, juste un petit peu de gaz. Et les palonniers, voilà. Donc on va à droite. Voilà, on va aller à droite, comme ça. J'essaye les freins de mon côté. Et ça marche. Là aussi. Et j'en reviens pas de cette visibilité avant encore là. Ah ouais, c'est avant, de fou. Après quand il est en ligne de vol encore, c'est bien mieux. Hein. Ah ouais. Alors l'herbe coupée, elle est en face. A été tendu depuis l'autre fois ou pas? Ouais, là, il a tendu un petit peu là hier. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait le... pour ça que le portail était ouvert. Bon, il est pas passé partout, mais il a fait au moins la piste, quoi. Genre. Ouais. La piste et les dégagements, quoi. Alors, sur le DR400, tu mets le planche en avant pour la roulette, mais... Oui, là, c'est... Bon, là, c'est... Moyen, quoi, c'est le planche en avant si on a le vent dans le dos. Sinon, c'est au neutre. Bon, pendant que tu feras les essais, moi je lancerai les caméras. On va s'arrêter là, on va faire les essais moteurs. Et on se met dans l'axe, ok. On est plein, on est à moitié. Alors, réservoir okay. Arrière, réservoir avant. Voilà, là, c'est sur le réservoir et sur le supplémentaire. D'accord. Là, on a largement de quoi faire. Bon, on a une pétarde là. Le compensateur, les volets, un cran de volet, tu mets. Ouais, alors un cran, hop. Un cran à gauche, un cran à droite. Hop, bon. 303, 05, 40 ans. Arions, deux fois que ce bravo Victor, on s'aligne tes cols, piste 18, Arions. Celui-ci, on le met en solo. Oh, tu peux le mettre au QNH aussi. Voilà. Non, on a mis pied la merde. Ça va un peu loin là, 300. Ouais, voilà. Ok. Allez, c'est parti. Donc, alors les freins, ils sont faits. Alors la piste est droite. Voilà, on prend bien la totalité de la piste. Voilà, vas-y, sur la partie où il y a le moins d'herbe là-bas. Voilà, comme ça, aligne-toi.
Voilà, aligné. Alors 5, 3. Voilà. Allez. Alors le manche en arrière, plein gaz. Plein gaz. Voilà, on passe le manche au neutre. Le manche au neutre. Un peu le manche en avant, en ligne devant. Ok. Voilà, on le laisse pas décoller tout seul. Hein. Avant. Ouais, c'est parti. 150, allez, dis donc. 140, 150 à monter. Hein. 140, ok, 150 alors. Et le trim alors là-dessus? Bon, le trim, il est là. Bon, lui, il est un peu spécial, un peu sensible. Alors, on vira un peu à droite là. On a passé les obstacles, tu peux rentrer les volets. Un cran rentré. Voilà. Éventuellement régler le compensateur. Alors on a dit 150. 150, il faut que je tire un peu quand même. 150 et le cap de plein ouest est 275-280. Comme ça, tout droit, on est pas mal. Voilà, on voit la bombe là-bas. Ah, la bombe a fondu trop là-bas, ouais. Ah, on le devine. On voit le rocher. Devine la bombe. Hein. On remarque qu'on peut tenir le manche et avec la main droite. Hop, ouais, tout fait, ouais. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Tu prends une assiette à peu près que bon, pratiquement le nez de l'avion légèrement en dessous de la ligne d'horizon, tu vois. D'accord. Alors on est pas sur l'ouest là. Voilà. Donc on est à peu près comme ça là, tu peux rester comme ça. Ça on vise tout au fond là-bas. Ouais. Voilà, un peu du pied à droite pour que la bille soit au milieu. Voilà. Voilà. Alors on est plus sur les freins là, comme ça c'est mieux. Voilà. Ah bah disons 1000 pieds hein. Oh, ça grimpe bien, hein. Ah, il y a 180 chevaux, ouais. Tu m'étonnes. Ah. Donc à droite, la bombe. La bombe, ouais. Ouais. Ah ouais, donc, on est déjà sur la bombe. La bombe, elle est derrière là-bas. Et oui. Il est là-bas. On l'a passé, là. On arrive bientôt sur la blachère, là. Rion, c'est de Fox Bravo Victor, on quitte le circuit par l'ouest, 2000 pieds à monter vers 5000, on quitte la fréquence. Donc on va aller chercher du 5000-5005. On va chercher... Alors... And... Chasse aux Zac là-bas. Ah ouais. Tu dis Chasse aux Zac à gauche là-bas. Chasse aux Zac, ouais c'est ça. Ouais, ouais, on voit bien la route qui descend sur les vannes. Ouais. Ouais, puis on voit le méandre et tout. Ouais, ouais. Donc le train était en dessous là. On va monter 5000 pieds à peu près quoi. 5000 pieds, ouais. Ouais. À gauche. Voilà, là-bas c'est l'Evance. L'Evance, oui. Le grand village là. Ouais, ouais. Ah, tout droit là. Boucle. Ah, et donc en fait, la pression pour les oreilles, ça le fait dans le sens de la montée aussi. Ah, dans les deux sens. C'est plutôt l'habitude du sens de la descente. Voilà. Voilà. Après, quand on arrive en bas, bah, il faut prendre une respiration, se boucher le nez et puis avaler la salive. Et en principe, ça marche. Ouais. Oui, un petit déglutis. Voilà, il faut déglutir en même temps, ouais, bien sûr. Ouais. Tu l'as senti la pression? Oui, j'ai senti, oui. Bon, c'est vrai qu'après, on s'accoutume un petit peu. Allez. Enfin, bon. Ouais, le bouquet là-bas au fond. Ah, le bon bouquet là-bas, ouais. Ouais. Vous connaissez tout, hein. Ah bah. En vrai, c'est ce que j'ai dit, donc le B99, ils habitent là, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais.
la radio, il est plutôt par là-bas. Ah oui, bien sûr, hein, forcément. Allez, cherche Zach à gauche. Ouais. Alors, on va voir quand même si Orange est actif ou pas, ça m'étonnerait, mais... Hein. Orange approche, Fox Bravo Victor, bonjour. Fox Bravo Victor, bonjour. Fox Golf Echo Bravo Victor, Mousquetaire 240 au départ de Rions en direction de Mende. On approche 4000 pieds en montée vers 5000. 3 personnes à bord et 70-00 pour transiter. Eh bien bravo Victor, 34-40. 34-40 au transpondeur, le transit approuvé, QNH 1020 et vous me confirmez votre terrain de départ ? 34-40-1020, le départ c'est de Rions. Bien pris. Ça va passer. Alors, cale-toi sur celui-là comme il faut, à 1020, et après on va recalquer là, parce que celui-ci, okay, là, il a eu un peu d'erreur, ouais. Ah d'accord. Voilà. pieds. Il est à 1024, je crois. Normalement, il a 3-2, il a 3 d'erreur. D'accord. De barre là-bas. Le serre de barre. Ouais. Dans le serre de barre avec. La tour de guet. Là, on va arriver un peu sur Villefort. Par contre, là, on est à 150 km/h et il monte. Oui, oui. On dirait qu'on est sur place. Ah ouais, bon, j'ai l'impression qu'on avance, regarde. Bien sûr, on avance, évidemment. 5 minutes. En plus, on va à plein ouest, c'est génial. Ah, c'est mieux, on n'est pas ébloui au moins. Ouais, ouais. 4009. Alors, donc t'as dit... On alors. Stabilise à 5000, on passe légèrement à droite. Alors l'assiette, là je suis carrément... Bah, tu mets vario 0, tu verras, tu auras ton assiette. Voilà, on pousse encore un petit peu sur le manche. Encore un petit peu. Voilà, ton assiette c'est à peu près ça. Alors, on prend sur du 200 de vitesse de croisière. Ouais, 200-220. Hein. À 220, ouais, ouais. Ouais, ouais, on la pousse encore un petit peu là. Attends. Avant. Voilà, on va essayer de prendre un peu sa vitesse. Ouais. D'accord, donc on descend un petit peu. Ah là, 220. 220. L'assiette. Voilà. Et il est compensé. C'est à peu près pour le compenser pour 220. Ah, il devrait être pas mal là, on va lui mettre 2400 tours. Ça fait le barrage. Voilà, à peu près de, il doit être à peu près bien réglé. D'accord. Alors, le barrage de Villefort. Dessous là, le barrage. Ouais, un petit peu plus loin là-bas. Voilà, là, le barrage de Sainte-Marguerite et la Figère. Ah bah oui. Bon, la sortie de zone avec lui. Ça, il faut on aperçoit le barrage. Hein. Ouais. Pied de borne. Ouais, non, pied de borne, c'est beaucoup plus haut là-haut. C'est plus près. Ah oui. Ouais, non, là c'est le barrage de Villefort. Ah, c'est le barrage de Villefort, ça, oui. Ouais. D'accord. Le petit village là qui est sur la colline, là en face de nous, c'est la gare de Guérin. Ah, la gare de Guérin, ah oui.
sol il est pas si haut que ça, hein. On voit qu'on est en montagne. On voit qu'on est arrivé en montagne. Ah ouais, on verra quand on passera là-haut. Du 4900 pieds à proximité et du 5000 même au-dessus. Ouais, le viaduc là-bas, le viaduc. Villefort est à gauche et dans le trou alors. Villefort est à gauche dans le trou, ouais. Ah oui, là-bas, d'accord. Non plus, on le voit pas là. On le voit pas. Ah, c'est pareil, ça fait une petite gorge là. Ouais. Là, il y a encore un barrage là-bas. Il y a encore un barrage, ouais. Allez, dis donc, il est sensible le palonnier. Oui. Le château, il est... X-ray Delta, je suis prêt au départ. Rappelez décoller. Monsieur X-ray Delta, toujours l'hélicoptère qui travaille 0500 pieds à l'ouest de la piste. C'est bien pris, on a tout officiel pour X-ray Delta. Parfait. Fox, bravo Victor, on arrive en sortie de zone 5000 pieds pour quitter. Et bravo Victor, 7000 au transpondeur, dernier QNH 1020, vous pouvez quitter, bonne journée. 7000, 1020, bonne journée également, merci. Ah oui, le barrage. Voilà, on passe avec... ouais. À droite. Ah, le barrage de Villefort. Ouais. Villefort, tu vois, tu l'as complètement là sous l'aile là-bas. Ouais. C'est une structure au milieu à gauche là. La structure qu'il y a dans le lac, ouais. C'est un élevage de truites. Ah, c'est là l'élevage. Ouais. Alors, il y a le pont routier, le pont et le pont de la voie ferrée. Ok. Cette machin là pour désactiver la bille. Pourquoi ils ont prévu un truc pour désactiver une bille? En fait c'est pour le turn coordinator. Et il marche. Il parasite, alors c'est pour ça qu'on laisse fermer. Ah ouais. Là il est actif. Ah ouais d'accord. Voilà la route là. Ah ouais. Au bout d'un moment il parasite. D'accord. Donc en fait, ah oui ok. En fait, voilà. C'est pour dire que tu prends que la bille en fait. Voilà, la bille, bon, en fait c'est... on devrait marquer ton coordinateur. D'accord, ok. Oh, il a marqué bille. C'était plus facile. Oui, oui, c'est sûr. Moi, il l'aurait écrit. Donc, on était 12 heures sur 21 minutes, 12, 13, 33. Il commence à y avoir des belles couleurs là, tu vois. Il y a des ocres, des verts, des jaunes, des bruyères qui commencent à fleurir. Donc là, le mont Lozère. Ouais. Ouais. Et finalement, c'est excessivement plat en fait. Plus en haut, oui. En bas, pas un peu moins quand même, mais. C'est pas la forme classique, tu sais, c'est un machin qui finit de crête et puis après un dôme bien marqué, c'est. Ouais, tout à fait, ouais. Le col il doit être là, juste au creux là. Le col de quoi? Et le col qui descend sur... Il descend sur Villefort après? Non, qui descend sur... comment ça s'appelle hein? Ah, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du nom. Bah, il doit bien y avoir plusieurs cols, plusieurs routes qui passent, mais bon, ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a un genou lac peut-être? Oui, celle qui rejoint le lac. Ah, c'est beaucoup plus de l'autre côté, plus loin. Ah, c'est plus loin, oui. Ah, ouais. Le col de Finiel, ça s'appelle, hein. Ouais, je connais pas, ouais. Ah, ouais.
Donc la voiture va faire un roue à piste avec passager. Là on commence à l'apercevoir là sur le plateau. Oui d'accord, il est sur la deux petits bâtiments blancs, tu vois. Ouais. Ici oui je vois. Ouais. Alors tu vois, justement je te parlais du CIMU. Ouais. Je pense que je reconnais par rapport à ce que je vois dans le CIMU. Parce que je vois qu'il y a Monde, ouais. Je vois effectivement le plateau, et puis derrière ça fait un décrochement comme ça. Ouais, tout à et fait, puis ouais. Dans le CIMU j'y ai fait le couillon à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est là. Ouais, ça y est, effectivement. Vas-y, là, on est déjà sur un... Ah bah oui, il y a 32 déjà. Ouais. À 3. Oh, mais tu es dans les temps. Ah ouais. Alors, le cap suivant, ça sera du 221. Donc ça veut dire qu'on va prendre, on est à 70, on va prendre 50 degrés à gauche. Ouais. On ira par là-bas, quoi, en gros. On va aller passer un petit coup de... Le Bigot. Ouais. Amende Fox Bravo Victor, bonjour. Le Fox Golf Echo Bravo Victor, on bouge. Ah, ils sont sous les nuages, t'as vu là-bas. De Ruyonce, Amende, on estime la verticale dans 2 minutes, 7200 pieds, ensuite un cap vers Bio. Ouais, là, c'est joli là-bas aussi, hein, la mer. Ouais. Ouais, le brouillard là-bas. Là, la vallée du Tarn. L'essence, quand tu vérifies, t'en as 18. C'est bien, donc tu as le supplémentaire qui se vide dans le... Ah, ok. Dans le principal. Voilà. Et les gouttes, c'est la chaîne qui est... Complètement au bout de la
là-bas, ouais. Voilà, oui. Terrain de bande. Ah, on voit bien le décrochage là. Clac. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est là où était tourné le film La Grande Vadrouille. Ah, oui. Ah, oui, elle a. La célèbre phrase de Bourvil avec De Funès dans Le Planeur. Ah oui. Il a dit, il n'y a pas d'hélice, c'est là qu'il lance. Donc au bout, on a la tour à droite, là. Voilà. On a vache de feuilles quand même aussi. Et on est dessus du monde, alors, de l'aérodrome. C'est l'aérodrome, il est là, comme ça, tu le vois à gauche, là. Oui, oui, oui. Et la ville de Mende, ah, oui, là, à droite. J'ai regardé de l'autre côté, je n'avais pas vu. Bon, bah écoute, le timing est respecté. Hein. Le timing est respecté, ouais, tout à fait. Bon, alors on prend 50 degrés à gauche. Hein. Voilà. Là, c'est un cap, moi j'avais pris un cap 215. 215 hein. Oui, voilà. Donc, bravo Victor, on passe vertical des installations, 5200 pieds, et on prend un cap vers Millau. Ouais, elle est brume, hein. Ah, elle est belle la ville de Mende. Et l'église là. Ouais, ouais, une cathédrale. Hein. Et mon niveau commercial, tout ça, c'est très actif, Mende. Le ballon est dans la brume là. Ouais. Bon, là-bas, hein, du côté de Florac, là-bas. Florac, hein. Oui, on voit des falaises. Ouais, ouais. Voilà, on va la voiture partout. Alors, on est en 215 là. Voilà, comme ça. On est sur du 230 là. On va peut-être le recaler un petit peu là, non, vas-y, mets-toi. Repars un petit peu à droite. Hein. Alors là on a 200. Ouais, laisse-le bien se stabiliser. Ouais. Là on est 210. 205 même. Voilà, donc on prend un petit peu à droite là. À droite. Hein. Léger, on va viser la gorge là-bas. Ouais, voilà. Oh là là. Du tout. C'est beau là. Ah ouais. C'est le... Ah ouais, particulièrement beau là. Hein. Ouais. Et regarde ce qui est tombé. Ah, Luc, je remets la caméra en place. Ah, d'accord, vas-y. Je tiens le manche. Allez, je m'approche un petit peu pour aller voir le brouillard là-bas. La brume, c'est trop beau. Ah oui. C'est la première fois qu'elle se casse la gueule, elle. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Dérivé. Un peu de l'humidité. Ah oui, c'est 9h30, c'est bon heure. Ouais, ouais, ouais. Derrière, donc on a dit qu'il était 33, ça fait 53. Ça, c'est l'Écosse, absolument pas encore. Ah, si, ça fait partie de l'Écosse. Hein. Ouais, parce que là-dessous, il doit y avoir en face à peu près Florac, c'est à Saint-Émini à peu près là-dessous. Voilà, ouais. De toute façon, après pour aller sur Millau, on va prendre la gauche, c'est ça, puis on va la suivre. Tout, et Millau, tout à fait, on va suivre la gauche, ouais. Alors, on a changé de côté, crac, maintenant on est là. Ah, dis donc, il y a un sacré brouillard, hein. Ah ouais, là-dessous, là, il doit pas avoir le soleil, ouais. Hein. Alors qu'en fait, tu montes un petit peu. Ouais, simplement. Ah, c'est magnifique. Oh. Ah là, c'est superbe. Ah ouais. C'est pelé quand même. Hein. Ah ouais. Ici, dis donc. Oui. Waouh. Ouais, ça tape là. Hein.
il y a des légers allotements, donc tu vois pas trop ta douleur pendant. Ouais, voilà. Je vois ponctuellement, c'est loin. Oh, c'est bon. Ça disparaît, ça réapparaît. Voilà, c'est bien sec. Hein. Au printemps, c'est plus vert quand même. Là. Ouais. Allez, on va enquiller les gorges. Voilà, donc on arrive sur les gorges du Tarn, là. Voilà, donc en gros, on va suivre ce cap, là. Ouais. Voilà, qu'on se mette bien sur le côté, là. Voilà. Voilà, on aurait bien vu. Bien filmé, bien voir. Voilà. On voit bien la rivière au fond. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah, t'as vu, ça s'arrête juste là. On sait pas pourquoi là, mais là. Ouais. Température doit être différente. Ah, c'est pas bien qu'en dessous, peut-être. Qu'est-ce que t'as dit? En dessous, quoi? C'est pas Hispaniac? Ben là, je vois plus. Ah oui, il y a une petite ville là, ouais. C'est la plaine des gorges en principe, espagnole. Ah d'accord. C'est une jolie route qui monte là. Ah ben là, voilà, là, voilà, voilà, la route qui monte là. Ouais. Pour rejoindre la bande. Ouais. Il faut pas voir 7 octobre. Ah oui. Alors, ah, d'accord. Juste là-dessous, là, sous notre aile, c'est Saint-Émini. Ah, c'est bien. Ah ben là, c'est un peu plus loin. Les vautours sont pas en l'air, on les voit pas. Ben, c'est encore trop frais. Pourquoi ça chemine comme ça, bien fait, ça va redescendre. On voit le pont de Mio là-bas, tu vois. Non, je vois à peu près, enfin j'imagine que je vois là-bas. On a pu à 11h, tu vois. Ouais. Et les maps, les ah, maps. Ah oui, d'accord, carrément. On est un peu à gauche. D'accord, bon ben, ok. On va les piliers. Maintenant à droite il y a un peu plus de végétation là. Ouais, là c'est un peu plus fourni, là il y a un peu plus d'arbres. C'est étonnant ça. Bon. Sur plein d'avènes là. Ah oui. Ah là-bas, ouais. J'aurais Michel, il s'en dirait tout plein. Ah ben là. Alors, oui, attends, je regarde.
Le tour de piste est à 2008, donc on va se présenter à 4004. 3004. Ouais, on peut rester à 4005 à peu près, quoi. Hein. Ouais. J'avais noté ça là, 2600 l'alti, le tour de piste 3800. D'accord. Et donc, bah, si on veut mettre 500 plus. Voilà, ouais. 4003. Ah, t'as vu à gauche la gorge là? Ah, ouais, toujours là, hein. Voilà, tu peux carrément te diriger vers le. Ouais. Alors, tu peux zigzaguer si tu veux aussi, hein. Ouais. Ah, c'est chouette, hein. Ah, juste en dessous, là, il y a un pieu, là. Enfin, un pieu. Une espèce de dentelle énorme. Ouais. Donc là-bas, ça s'éloigne gentiment en descendant. Alors, au bout de l'aile, ça doit être au Sévrac, le château là-bas, je pense. On voit l'autoroute. Alors 128. Alors Raymond, Duc en vue. Voilà. Là. Descendre vers les 4500. Ouais. On sera plus près pour voir le pont. Ouais. Ah, il y a une ruine en dessous là. Ah, il y a de beaux coins là. J'aime pas cette région. Hein. Attendez, j'étais venu marcher par là, là. C'est bien. Hein. Il y a 2 ans, 3 ans. Je sais. Il y a une belle ruine. Hein.
Ah, la 4005. Ah, elle est bien là. Tu me diras, pour le rejoindre, l'aérodrome, c'est pas compliqué, hein. On se met à trouver la route, on chemine. Exactement, et par cheminement, c'est impeccable. Le milieu qui est quand même assez étendu, hein. Ouais, c'est une ville un peu importante, hein, quand même, hein. Ouais. Il est bien dynamique aussi, hein. Tiens, si, je t'avais pas dit tout à l'heure. Donc là, mon père, il va rester avec sa soeur au sol. Oui. Donc mon oncle, il prendra la place. Bon. Donc on ira faire le tour. Puis évidemment, on récupère mon père après. D'accord. Bah, sinon, on peut monter à deux ou trois. Ah oui, non, mais en fait, il voulait voir sa soeur. D'accord, je la profite. Ok, ouais, d'accord. Oui, mon frangin, mais il n'a pas le courage de monter. Ah oui. Après, il faut pas forcer les gens non plus, hein. Ouais. Bon, bah, beau viaduc, hein. Voilà. Ah, il est beau, hein. Bon, tu verras qu'il n'est pas droit. Ah oui. Clairement en courbe. Ouais. Tu fais comme il y a. Bravo Juliette, on est de retour vers l'installation. À 3 minutes, en secteur nord-ouest, en plein vertical. Donc on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tu dois être par ici parce que nord-ouest... Il y a un champ d'éoliennes là-bas à droite. Ah, ça manque pas, hein. Ah oui. C'est pas loin de la Bastille de Bradine là, Bah non, on va passer... Par contre, ils habitent quelque part dans une... comment on appelle ça? Dans une complexe qui est sur le côté. Ouais. Ah bah... Entre le... Non, je sais pas si... Donc là, tu vois, c'était en 2016, j'avais fait mon deuxième vol d'ici là. Ah d'accord, j'ai mis les pieds dans un avion en 2016 en fait. Ouais, ouais. Mais dans le Jura. Bon. Et donc, c'était pour un vol baptême, hein, du côté de Champagnole. C'est un bel ouvrage quand même. Ah, c'est un bel ouvrage, hein, c'est magnifique, sûr. Magnifique, hein. Effectivement, une légère courbure comme ça. Ouais, une courbure, hein, On s'éloigne un petit peu pour mieux le voir. Comme le pont du Gard. Une légère courbure. Et purée, c'est fin. Combien il fait de haut par rapport au sol là? Notre hauteur par rapport au sol? Ah oui, je crois qu'il y a pas longtemps il parlait de la hauteur de la tour Eiffel là pour le pilier. Ah, le pilier ouais. Je sais pas là. Donc par rapport au sol, on est à peu près à 1000 mètres. Hein. Ouais, 1000 mètres, 3000 pieds. On est à 1000 mètres là? À peu près par rapport au sol, ouais. Ah, j'en aurais dit. On est à 3000 pieds par rapport au sol là. Ah ouais. Ah, c'est la hauteur que me donne. 2008, maintenant, bah, on arrive sur du relief, ouais. Vas-y, tu vois la crête, enfin, le rebord du plateau, là. Ouais. Mais Annie, elle est juste derrière. D'accord. Pas loin du plateau de l'Arzac, alors. Oui, ils sont dessous. Parce que dessous, on voit. Alors, il y a un drone, mais là-bas à gauche. Un peu plus loin, là-bas, la cavalerie. La cavalerie, et puis... La cavalerie, voilà, ouais. L'aérodrome, juste après, là. Il y a une sortie d'autoroute, là où il y a le pont, il y a une sortie d'autoroute, et on est presque au niveau de la sortie d'autoroute, à droite.
cimetière militaire à gauche. Ah ouais, il est bon, il faut lui de là, oh la vache. Ah ouais, lui de là, il est beau, hein. Ah ouais. C'est la 32 qui est en préférentiel. Ouais. On a pas entendu l'autre avion, là, qu'est-ce qu'il faisait, là. Bon, 4300 pour la verticale. Tour de piste, 4000. Verticale d'installation. Ouais, ouais, parce qu'il est pas dit, là. Voilà, 14. On va parler à 14. 14. Ah bon? D'accord. Ouais, lui, il a pris de l'avant arrière. Parce qu'il a pas dit le village à côté, là. Ah d'accord, à droite, là. Ah, ah ouais. Ok. Ah, effectivement, là, oui. On voit là, le clocher, là. Dernier est dans le creux. D'accord. De l'autre côté, il y a un recoffre. Alors, ça fait un premier virage, ensuite il y a la boucle. Donc l'aérodrome, il doit être quelque part à gauche. Là, il y a un il prend la 14, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent. Parce que les éoliennes, elles ne tournent pas du tout, là. Ouais. Je serais plutôt partant pour une 32. Ok, pour une 32. Ou on va faire une verticale, puis on verra. De toute façon, on fait une verticale. Ouais. Oh, on tourne. Ah, bah ça y est. Non, c'est peut-être pas ça là-bas. On va faire 4003. Ah, oh, ouais, j'ai hâte de passer, on passe là. Ah, oui, la Bastille, le Brasil. Hein. Donc les vitesses et les paramètres, c'est comme le DR400. À peu près, enfin disons qu'en vitesse, en vent arrière on prend 140. 140, d'accord. Et en finale 120. 120. Ça sera du 1900 tours j'imagine. En vent arrière oui, et puis 1500, 1600 à peu près en finale. Bon. Ah bah tiens, le terrain, on le voit, il est là-bas. Voilà. Projet, on passe en finale 14. Ah ouais, je vois l'avion, hop là. Je l'ai vu briller, je le vois plus. Le si je le vois, non, non, il est en finale. En finale. Là, il s'est annoncé finale, ça y est, je le vois, mais bon. Ouais, je pense qu'il a pris les raccourcis lui un peu. Ah ouais. Bon, alors, donc la tour elle est à droite, la biroute est à côté, donc je vais viser le seuil là-bas pour bien voir là. Je la vois bien la piste là. Ah bah là, ouais, on peut pas la louper là. On les appelle ? Allez. Mio, Fox, Bravo Victor, bonjour. Fox, Golf Echo, Bravo Victor, en mousquetaire 240, on est au nord-ouest des installations, 4200 pieds. On rappelle verticale des installations dans 2 minutes. Bon, on va commencer à ralentir un peu. Ouais, 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 on peut. Ah ouais, disons que lui, il a... Quand il s'est posé un 14, ça lui permet de sortir tout de suite à la bretelle, c'est pour ça que je pense. C'est un habitué du quake. Alors la réchauffe là-dessus, c'est ça? Alors la réchauffe, c'est ça. Bravo Juliette, on a dégagé la 14 de Mio. Ah, on le voit, il est en train de rouler là, sur la... Tout à fait. Hop là, s'il respectait les 1300, 4300, ça serait bien. Voilà. Et il est 57, tu vois. Bien, dans les temps. C'est le 14 heures prévu. Ouais. Je vois la tour. La manche, elle est où? La manche, elle est à côté de la tour, mais alors là pour le moment, je vois pas la manche. Ouais, mais elle doit être complètement dans le coma, à mon avis. Ouais. La manche est à droite de la tour, dans la partie à côté de l'avion. Ah, ça y est, ouais, tu m'étonnes. Ah oui. Dans ce cas-là, la préférentielle. Hein. Ah ben oui. Hein. Bon, alors 4300, c'est 4300 en principe. Hein. Bon, ben c'est au-dessus du tour de piste. Ouais. Bravo Juliette, on est à la vitesse manque. Bon. Hein, si tu bravo pas. Victor, on est vertical. Il est sur le reporter, début de vent arrière, piste 32. Oh, on va faire un début de vent arrière 32. Ah oui d'accord, il est violent effectivement.
Ouais, pour le régler, c'est un peu. Et puis tout à l'heure, je vais le toucher gentiment. Là, j'ai dit, tiens, on va mettre un petit coup pour voir. Oh, ouais, c'est pas vite, hein. Donc, j'imagine qu'on va éviter le patelin. On va tirer comme ça. Pars plutôt à gauche, sinon après, tu rentres dans le truc, le camp du Ah, oui, c'est vrai qu'il y a les militaires là. Voilà, tu peux commencer à descendre vers la l'altitude du tour de piste. Donc 3800. Là on est à 3900 là. Voilà, 3800. Tu te mets parallèle au cap 140 environ. Là, tu es un peu rapproché. Fox, bravo Victor, en vent arrière 32 pour un complet. Alors, un cran de volet. Bon, voilà. Cran à gauche, cran à droite. 40 et j'ai perdu 200 pieds. Pourquoi ils font un tour de piste à 1200 pieds sol? Y'a rien qui le justifie tellement ouais non plus, je sais pas. D'autoroute peut-être. Et donc je dirais qu'on va virer pour être là-bas au niveau du virage sur la base. Ouais, là, voilà, ouais, dans la courbe là-bas. On est 140, 2200 tours. Je remettrai après le réchauffement. D'accord. On peut virer là, tu peux commencer à descendre tout de suite. Si... Oh. Alors 1500. D'accord, donc on a le seuil de piste quand même qui est bien décalé là. Ouais, mais quand même. Hein. Ouais. Faut faire gaffe parce qu'il y a un trou 150 mètres avant. Ouais. C'est indiqué sur là. Ouais, mais là tu es trop haut là. Là tu es trop haut. Trop vite, ah bon, on aurait dû s'éloigner encore un peu. Ouais, ouais, tu étais trop près, trop vite. Ouais. Voilà, remets les gaz. On va faire une autre prise. J'ai vu qu'il y a trois personnes. Ah bon? À côté du hangar là-bas. Le réchauffe là. S'éloigner plus sur la bordure là. Ah, plus sur la bordure là, tu peux commencer à tourner si tu veux là. Je
s'éloigner et descendre un peu plus bas. Je mets la pompe, je mets le réchauffe. Voilà, maintenant on est mieux là. Ouais, on est encore au prochain. Pas proche. Là, tu peux tourner. Oh, on est mieux comme ça. Alors, on a un cran, on a la réchauffe, la pompe, tu l'as mise, 3800. Et on est effectivement, on est en bout d'aile là. On peut tourner à peu près par là. On commence à réduire à 1500 tours, on commence à descendre. Ah, là, tu devrais être bien là. En fait, il faut qu'à la sortie du dernier virage, tu sois à 3200. Ouais. Il est quand même loin, faut pas se faire avoir. Oui, c'est ce qui arrive, ça. Hein? Ah, bah oui. Souvent, tu vois, quand on fait des ventes arrière trop rapprochées, on a des étapes de base trop courtes pour perdre les 500 pieds. Ah, bah oui. C'est ça. Ah, tu es bien, là, voilà, quand tu es comme ça. Ah, on va chercher ton alignement. Alors, on a la pompe, on a le réchauffe. Bon. Deux crans. Donc bravo Victor, dernier virage de piste 32 pour un complet. Ah, deux crans. La pompe, la réchauffe. Hein. Voilà, tu prends 120, tu gardes 120. On est sur 120, ouais. Un coup, parce que là il me s'est tiré sur la gueule. Voilà, ok. Feuille, l'alignement. Décrochage, ah bon. Voilà, garde 120. Garde un peu de puissance. Garde de la puissance. Voilà, 120, on est presque dans l'axe, on est dans l'axe. Voilà, tu vises au niveau des peignes là-bas. Hein? Ouais, des peignes, ouais. Un peu bas là. Voilà, garde un peu de puissance. Voilà, tu vises le peigne, hein? Tu touches pas avant le peigne.
accorde un peu de puissance. Tu es faible comme vitesse. Arrête pas de gueuler là. Ouais. Voilà, là tu es bon. Allez, là tu peux commencer à réduire. Laisse descendre. Allez, tu réduis tout. Réduis tout. Assiette. Ah ouais, dis donc. Voilà. Même quand il est au sol, il gueule. La sortie, elle est là-bas, en fait. Non. Oh, il faut remonter. Remonter. Ah oui, non, là-bas, c'est les clubs, en fait. Là, ils sont... Fox, bravo Victor, vitesse contrôlée, on remonte la piste. Voilà. On peut rentrer les volets. Voilà. Reste bien au milieu. Passer un coup de fil. Ça va, oui, ça te sort les volets. Alors, on défait ça, on tire et on pousse. Et on respire. Voilà, un peu d'herbe. Ça t'a plu ? Bah oui, ça m'a plu. Ah. Ah, bah oui, ça.